Bonjour à tous, bienvenue dans les marais à poissons du pays talmondais. Vous avez reconnu sûrement, c'est l'outil de pêche traditionnel des marais, le borgnon. Le borgnon qui est lié à l'essaye. Un souci pour les pisciculteurs, faire rentrer de l'eau de l'océan Atlantique situé à plusieurs centaines de mètres d'ici. Donc les pisciculteurs vont faire rentrer l'eau grâce à cet ouvrage patrimonial qu'on appelle une essaye. De chaque côté, la digue et un système de planches en bois qu'on appelle des semelles. Et c'est en fonction de la marée, marée haute, marée basse, qu'on va pouvoir faire soit rentrer de l'eau, soit vider le marais quand il va falloir nettoyer. Le but, c'est toujours d'avoir une bonne oxygénation de l'eau. En même temps qu'on fait rentrer l'eau, que les pisciculteurs font rentrer l'eau, ils vont faire l'empoisonnement. Des poissons qui vont naître dans l'océan Atlantique, du bar, du mulet, de la dorade royale et le poisson le plus recherché, l'anguille. Au niveau de la contre-essaye, les pisciculteurs vont positionner un borgnon qui va permettre de laisser passer le poisson. C'est l'empoisonnement. Me voici maintenant positionné au niveau d'un endroit qu'on appelle la contre-essaye. C'est à cet endroit que les pisciculteurs vont disposer les bornes à ma gauche qui permettent de faire l'empoisonnement. Sa forme conique laisse passer le poisson et évite qu'il ne ressorte. C'est le moment de nous enfoncer dans les marais à poissons du pays talmondais. Au niveau du paysage, le marais à poissons s'articule entre l'eau et la terre. Les levées de terre, vous avez un petit peu partout, on appelle ça donc des bossies, traditionnellement cultivées, maintenant pâturées. Au niveau de l'eau, la profondeur varie de 60 cm pour les cordes, les endroits les moins profonds, à plusieurs mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle les fosses. C'est pour protéger les poissons pendant l'hiver. Vu du ciel, le marais à poissons a une structure en peigne ou en râteau. Le marais à poissons, un pays de tradition et notamment au niveau de la pêche. Le salet est un outil de pêche traditionnel utilisé par les pisciculteurs pour pêcher l'anguille. L'anguille jaune, celle qui est sédentaire et va passer son temps à manger avant de repartir vers la mer des Sargasses sous forme d'anguille argentée. Pendant l'hiver, les pisciculteurs vont diminuer le niveau d'eau. Les anguilles, en réponse, vont s'enfoncer dans la vase. Et ensuite, ce sont des alignements de 20 à 30 hommes, tous munis de salets, qui vont aller piquer dans la vase à la recherche d'anguilles. C'était un petit bout du marais à poissons du pays talmondais. Si vous voulez en savoir plus, appelez le Centre socioculturel du Talmondais. Des visites sont organisées. Et vous pouvez même visiter la Salorge avec son expo sur les marais à poissons.